Nang's Reborn. Wow! Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Nyan's Reborn. Je suis très heureux de vous revoir après plusieurs semaines d'absence. Après plusieurs semaines d'absence, qu'est-ce que la chaîne devient? Ou la question c'est où était Nyan's Reborn durant ces deux semaines? Qu'est-ce que je faisais? Qu'est-ce que j'ai fait? Ce que j'ai fait, j'aimerais tout vous montrer ici dans cette vidéo afin de donner une réponse à tout le monde. Ceux qui s'inquiétaient pour là où j'étais, où étais-tu, tu es passé où il y a longtemps, tu n'as pas fait de vidéo. Bon, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai tenté de faire en deux semaines, voire plus. Bien. Pour commencer, vous devez savoir que la chaîne Nyan's Reborn existe depuis plus de 5 ans maintenant. Bon, on va dire que j'ai créé cette chaîne en 2017. 2017-2024, ça fait combien d'années? Bon, ça fait plusieurs années. Faites vos calculs et donnez-moi le résultat en commentaire. Et durant toutes ces années, j'ai utilisé des équipements qui me tombaient sous la main. Ce que j'avais, j'utilisais les moyens du bord. Mais aujourd'hui, j'ai réfléchi et j'ai décidé de tout changer, d'apporter du nouveau, quelque chose qui sera supérieur à ce que j'avais utilisé auparavant pour vous faire des vidéos extraordinaires que vous avez aimées. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 50 000 abonnés. Vraiment, merci à toutes les personnes qui sont abonnées, qui m'ont soutenu depuis le début jusqu'ici. Merci pour vos dons aussi, je m'en souviens, toutes les personnes qui ont fait un don. Merci à vous. Grâce à vous, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je vais vous montrer. À quoi servent vos dons et tout ça. Regardez ça. Est-ce que vous voyez ça? Ça là. Ça là, en dit long sur le sujet. Ça en dit long sur ce que j'ai fait en deux semaines ou encore ce que vos dons ont pu faire. Oui, tout ce que vous voyez ici là, ce sont des équipements que j'ai achetés pour améliorer la qualité du son, et autres pour la chaîne Nyan's Reborn. Oui, pour améliorer la qualité du son en particulier. Parce que souvent quand on fait des vidéos, les gens se plaignent, ah, on ne t'entend pas trop bien, tu ne parles pas fort, tout ça. C'est à cause des problèmes de micro. Le micro que j'utilisais n'était pas au top. Donc même si tu cries, tu vas crier, tu vas te fatiguer gratuitement. Tu vas te fatiguer pour rien. Donc il faut avoir des équipements dignes de ce nom afin de pouvoir réaliser quand même certaines choses. Et j'ai vu que la qualité du son est primordiale quand on fait des vidéos. Si vous regardez une vidéo, que la vidéo est jolie, belle vidéo, c'est bien, les images sont jolies, mais le son en bas doit vraiment être de qualité. Ça compte vraiment énormément. C'est pourquoi j'ai investi beaucoup dans tout ça. Comme on peut le voir, tout ça concerne uniquement le son, la qualité sonore. Sinon, pour la qualité de la vidéo, j'ai acheté déjà une caméra très chère depuis. Mais au niveau de la qualité du son, rien se plaignait vraiment trop. Il fallait que je fasse quelque chose. Et Dieu merci, Dieu a donné l'occasion. Dieu m'a donné l'opportunité de pouvoir vraiment faire quelque chose pour vous, les amis. Faire quelque chose pour améliorer la qualité du son. En tout cas, ce n'est que le début. Hein. J'ai commencé. Ça va sans doute s'améliorer encore. Faut même vous allez me dire en commentaire, hein, quand vous allez regarder les vidéos qui vont venir, vous allez me dire s'il y a quelque chose qui s'est amélioré, qu'est-ce que je dois améliorer encore, et puis on va aller ensemble jusqu'au bout. Vous commencez, regardez de vous-même. Vous regardez ça, vous voyez ça. Tout ce que vous voyez à l'écran, ici là, on peut voir des microphones. Vous voyez ici les écrits.
microphone, on dit condenseur microphone, on dit microphone à condensateur, vous voyez, et vous voyez encore en haut un autre microphone qui est là. Là, je vous dis, c'est celui-là quel est son rôle. Chaque microphone ici a son rôle. En fait, j'en ai acheté beaucoup parce que à chaque fois que j'achète un, je teste, c'est pas trop ça, je change. À chaque fois que j'achète un autre, je teste, c'est pas trop ça, je change. Vous voyez, c'est pourquoi j'ai acheté 1, 2, 3 parce que le son ne me plaisait pas trop. Donc, il fallait que j'achète de nouveau à chaque fois pour pouvoir avoir ce qui est bon. Mais ce que je peux vous dire, c'est que celui qui est là, là, ça là, lui, il est celui qui a le plus de fonctionnalités que la plupart des microphones que vous voyez juste là derrière moi, que je vais vous montrer. Vous voyez ça là, lui là. Il s'appelle comment? On est USB condenser microphone. Bon, on l'appelle le microphone à condensateur. C'est-à-dire celui-là, quand tu parles même là, on entend ta voix juste devant le micro, tous ceux qui sont derrière, on ne l'entend pas. Lui là, il a plusieurs fonctionnalités. Il a la capacité de réduire le bruit. C'est-à-dire que si on veut faire des vidéos, si je veux faire des vidéos et que je prends ce micro et qu'il y a beaucoup de bruit autour, il va éliminer tous les bruits autour et vous n'allez que m'entendre. Vous allez m'entendre moi seul. Là, c'est pour éliminer les sorciers. Ça, c'est le micro contre les sorciers. Oui. Voilà, avec que le son est clair, bon, tout ça. Il y a beaucoup de trucs sur ça. En tout cas, selon eux, c'est pour le meilleur son. Ils disent que c'est pour le meilleur son. For the best son. Ok, no problem. Vous voyez. En tout cas, je l'ai testé dans un endroit où il y a beaucoup de bruit. Il est sorti fin cœur. La qualité du son n'est pas trop top. Mais il a la capacité de réduire quand même le bruit. Donc comme il a la capacité de réduire le bruit, il peut être utile dans certaines situations. Mais il n'est pas le plus puissant, honnêtement. Il n'est pas le plus puissant. Comme vous pouvez le voir, j'ai acheté plusieurs microphones. J'en ai acheté vraiment plusieurs. Ces cartons que vous voyez ici là contiennent chacun un microphone. Donc ça fait trois microphones. Trois micros, juste comme ça, hein, trois micros, juste en bas. Bon, je vais juste vous montrer quelques-uns pour que vous puissiez juste voir et comprendre que, sérieusement, hein, je n'ai pas blagué lors des deux dernières semaines. Je ne me suis pas assis pour m'endormir. Hein. J'ai vraiment travaillé énormément au point où j'ai perdu du poids. Vous avez remarqué, j'ai perdu un peu de poids. Parce que je travaillais sur des projets pour améliorer la qualité du son des studios. Okay. Là, je suis en train de chercher quand même quelques micros. Et je vais vous montrer tout ça pour que la qualité du son soit meilleure. Hein. Et que voilà, vous puissiez bien m'entendre, bien entendre les choses qu'on fait. Tout passe bien, quoi. Même que tout se passe correctement. Ok. Nous allons commencer par ce premier micro. Oui. Quand vous achetez l'un de ces cartons, vous pouvez tomber sur ce micro. Ce micro s'appelle BM800. Il y a BM700. Ils sont petits frères. J'en ai acheté. J'ai trouvé dans l'un de ces cartons-là. Ou dans l'un de ces cartons-là. J'en ai acheté. Il est quelque part derrière là-bas. Ou bien il est ici. Bon, je sais plus où il est parce que. Bon, il fait tellement de bruit que je n'ai pas trouvé qu'il était assez puissant pour nous suivre le travail pour le moment, peut-être après, mais pour le moment ça reste à voir. Donc j'ai acheté ce micro là. Où est ce micro qu'elle a? Ce micro là, c'est on appelle BM800. Honnêtement, c'est l'un des micros les plus populaires que j'ai vu. Hein. Quand il ne vient pas seul, il vient avec quelque chose d'autre qui va vraiment beaucoup vous surprendre. Si vous voyez ça dans la prochaine vidéo, ne soyez pas étonné. Parce que vous allez le voir dans la prochaine vidéo à 100%. Venez. Où est ça? Regardez ici. Là. Où est ça là? C'est un squelette. Ça là, c'est un squelette. Ce squelette là tient le micro en place là, quelque part là.
il tient le micro. Ce qui veut dire que quand je serai là, assis là, en train de vous parler, il sera en train de me remarquer que je suis en train de regarder ici. Je regarde justement ça là. Parce qu'il y a un micro derrière. Il y a un micro derrière, ouais non. Donc je parle pour que le son soit filtré quoi. Le son soit filtré, vous entendez très bien ma voix et tout ce qui se passe. Donc c'est ce micro là qui vient avec ça. Avec d'autres micros. Donc, et ces gens de squelette là, j'en ai une, deux, trois. Puisque j'ai acheté trois micros. Quand tu achètes un micro, on te donne un squelette. Et oui, ceux qui veulent vraiment savoir plus sur le déballage, comment on a déballé, comment on a fait les tests, vraiment, j'ai créé une chaîne. Bon, je n'ai pas créé une chaîne, mais je suis Nyon Sobon 3, notre chaîne secondaire. Désormais, Nyon Sobon 3 hein, s'appelle Nyon Sobon 3 Plus parce que j'ai fait le déballage de ces micros là-bas et puis les trucs high-tech vont venir. Des trucs que pourrait vous aider dans la vie aussi. Hein. Oui, parce que puisque je suis informaticien, j'ai décidé de mettre un peu la compétence à votre service sur cette chaîne-là. Oui, non. La chaîne qui s'appelle Nyon Sobon 3. Nyon Sobon 3. Cette chaîne s'appelle Nyon Sobon 3 Plus désormais. Avant, c'était Nyon Sobon 3 seulement. Maintenant, c'est devenu Nyon Sobon 3 Plus. Et c'est cette chaîne-là qui a fait le déballage de tous ces micros et quelques tests, comme vous pouvez carrément le voir sur votre écran. Tous les tests se trouvent ici. Hein. Vous allez juste sur Nyon Sobon 3 Plus ou découvrir Nyon Sobon 3 Plus et vous allez voir toutes ces vidéos de déballage là avec plus de détails. Hein. Voilà, ici je vais juste vous dire ce que j'ai fait, la présentation, sans entrer trop dans tous les détails. Là, c'est le micro là qu'elle a. Ce micro est un micro très fort, mais il n'est pas sans faiblesse. Il a aussi quelques défauts. On fait avec. Il a tellement quelques défauts que j'ai dû acheter un autre. Vous voyez, ce micro-là, ils ont fabriqué beaucoup de contrefaçons sur le marché. Donc vous achetez un, il est en caoutchouc, vous achetez l'autre, il est en fer, après vous achetez un autre, il est en métal, après vous achetez un autre, il est comment? Vraiment, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Le son, les spécifications techniques, c'est vraiment c'est bizarre. C'est compliqué. Mais je vais juste vous dire que ces deux micros que je tiens dans la main peuvent vous faire quelque chose. Peuvent faire quelque chose. Hein. Mais, ce n'est malheureusement pas le meilleur. À mon avis, ce ne sont pas les meilleurs. Si vous voulez chanter hein, et que vous avez cherché des squelettes là chez vous, hein, bon, vous chantez avec. Mais ce ne sont pas les meilleurs. Hein, ce ne sont pas les meilleurs. Et ils ne coûtent pas aussi cher que ça. Ils viennent avec des cartons remplis de bonnes choses, mais ce ne sont pas les plus chers. Pour ce que j'ai choisi, pour le microphone que j'ai vraiment choisi, c'est ce microphone-là. C'est ce microphone-là, on appelle un microphone RGB Ampli Game. C'est ce microphone-là que j'ai choisi. Et oui, et c'est en même temps lui que vous avez vu et que vous voyez encore ici. Vous voyez ça? C'est lui qui est là. Oui. C'est lui qui est là. Il est là ici. Il est RGB. Il a la lumière partout, il y a un filtre pop, il y a un filtre pop, il a tout ce que vous pouvez rêver. L'avantage avec celui-là, c'est que en haut là, il a une petite icône. Quand vous cliquez sur cette icône, ça coupe le son. Vous voyez non, la lumière disparaît, ça coupe le son. Regardez, quand la lumière disparaît comme ça, ça coupe le son. Ça fait que si je suis en train de parler, puis je vais tousser. J'appuie sur ça, poum, ça tousse, puis tousse. Vous m'avez tenu. Et vous n'allez pas entendre ça. Ouais, non. Voilà, là, c'est pour vous éviter tous les désagréments aussi. Vous voyez que j'ai fait quand même du bon boulot, non? Okay. Dites-moi commentaire, honnêtement. Est-ce que j'ai fait quelque chose, quand même? Quelque chose. En tout cas, ça n'a pas été facile de trouver ça. Dieu m'a beaucoup aidé. Dieu m'a beaucoup aidé. Hein. Dieu m'a beaucoup aidé. Vous voyez que je peux tourner le truc. Je peux tourner le truc comme ça.
je vais tenir le truc comme ceci. Ouais, non. Comme ça. Vraiment, ça améliore tout. Et vraiment, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'autres choses hein, que je ne peux pas tout raconter. C'est comme la jeune qui dit, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, hein, je ne peux pas tout raconter. Oh. Ce que Dieu a fait pour moi, hein, je ne pourrai jamais tout raconter. Où est cette chanson-là hein? C'est ça. En tout cas, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. J'ai ajouté quelque chose pour réduire aussi le bruit du micro. Il y a un logiciel, le OBS, le filtre pour réduire le bruit du micro. Bon, en tout cas pour moi, celui-là, c'est celui que je vais vraiment utiliser pour pouvoir vous faire des sons à l'ordinateur ici. Maintenant, pour ce qui concerne ce genre de vidéo que je vais faire comme ça. Ça, je filme là avec un iPhone 12 Pro Max que j'ai acheté en 2021. Nous sommes en 2024, j'ai acheté quand même en 2021. Comme vous pouvez le voir, il a une technologie qui permet d'avoir une vidéo qui peut être filmée en Dolby Vision. Pour regarder la vidéo, il y a la lumière dedans. Mais pour pouvoir avoir cette qualité, pour pouvoir voir ça, il faut carrément avoir un iPhone qui a Dolby Vision. Oui, un iPhone qui a Dolby, comment on appelle ça, Dolby Atmos, non, Dolby Vision, bon, c'est comme ça que ça s'appelle. Quand vous regardez la vidéo, il y a la lumière, tout ça. En tout cas, j'ai trouvé que ce n'est pas mal, ouais, ce n'est pas mal. Ce n'est pas mal, je peux l'utiliser, peut-être que un de ces quatre, j'aurai un autre téléphone encore plus puissant, ou bien une caméra professionnelle pour pouvoir faire. Sinon, pour le moment, j'utilise iPhone 12 Pro Max pour filmer. Et voilà, vous pouvez me dire si vous appréciez ou pas. Hein. Vous pouvez me dire si vous appréciez, sinon pour moi, ça va déjà. Hein. Son micro même que j'ai utilisé pour filmer comme ça. Hein. J'ai utilisé son propre micro pour filmer comme ça. Donc, c'est ce que vous attendez là. C'est le micro du iPhone. C'est le micro du iPhone. Quand je recule, vous pouvez voir que voilà. Voilà. Donc, et de temps en temps, je vais utiliser ce micro là, combiné à quelque chose qu'on appelle une carte son. C'est quoi une carte son? Laissez-moi vous montrer rapidement ce qu'on appelle une carte son. Bon, vous allez apprendre quelque chose. Hein. C'est pourquoi il y a que Nyons Reborn 3 Plus. Nyons Reborn 3 Plus. Si vous n'êtes pas abonné, allez sur Nyons Reborn 3 Plus. Là-bas, il y a fait des vraies choses pour vous, les trucs high-tech, beaucoup de choses pour vous permettre d'avoir des connaissances et certaines choses. Et puis, pour ne pas vous perdre dans ce domaine. Vous voyez ça? Ce que vous voyez ici là, on appelle comment ça? On appelle ça une carte son. Cette carte son là améliore la qualité de son de vos appareils. Si par exemple vous avez un haut-parleur comme ça, vous voyez non? Lui peut-être il est programmé sur stéréo à cause de l'ordinateur. Mais lui là, il arrive comme un petit ordinateur qui vous permet d'avoir de booster la qualité du son jusqu'au niveau 7.1 sur, on appelle ça sur un virtual 7.1 et 7.1 quoi. Je sais pas comment vous l'expliquer pour que vous puissiez comprendre, mais la qualité du son va quitter du nouveau stéréo à nouveau 7.1 et puis ça fait ressortir une qualité de son dans le mode virtuel. Je veux dire, quand j'ai fait les vidéos du genre réaction et que je vais vous montrer l'écran comme ça, le son sera là, mais ce sera une autre qualité de son que vous allez entendre, ça sera carrément différent de ce que vous avez déjà entendu. Hein, je vous pourrais en même temps. Hein. Vous allez me dire qu'il y a vraiment une différence par rapport à d'autres. Je sais que si vous allez regarder les vidéos qu'on a déjà faites, et puis vous allez comprendre. En tout cas, lui, il n'est pas mal. En plus de ça, quand vous branchez un micro dessus, s'il y a du bruit autour, lui, de façon automatique, il réduit le bruit. C'est-à-dire il y a une réduction de bruit dessus. Réduction de bruit. Il réduit carrément le bruit. Bon, à quoi est-ce qu'il ressemble dans la vie réelle? Parce que souvent, hein, souvent quand on parle, hein, les gens disent qu'on parle. Hein. Souvent quand on parle, hein. Les gens disent qu'on parle beaucoup, hein. Mais vous allez voir, hein. Je vais vous montrer, hein, qu'on ne parle pas trop, vous parlez trop, hein. Vous allez comprendre, hein. Attends, j'essaie de chercher le truc, hein.
Il y a quatre sons. Au lieu d'une quatre sons, je vais vous montrer deux quatre sons. Comme je l'ai dit, j'ai réalisé beaucoup de choses. Je vais pas vous mentir, beaucoup de choses. Je vais pas entrer dans les détails. Donc, par exemple, ça là, tapis de souris. Beaucoup de choses ont changé ici. Vraiment trop de choses. Même ça là, c'est là que le bon pour filmer là, ça, c'est désormais un, ce n'est plus un caoutchouc, hein, c'est un métal. Je vais pas entrer dans trop de détails, mais je vais vous montrer ce que je dois vous montrer d'abord. Bien. Je vous ai parlé de la 4 sons. Ok? Celle-là, par exemple, c'est une 4 sons. Ouais, ça, hein? J'en ai acheté deux pour faire les tests. Il était bon. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit que, ah, là, il est vraiment bon. Hein? Pourquoi ne pas acheter, acheter pour pouvoir faire quelques tests et voir ce que ça dit? Ou bien, c'est là que je l'ai acheté. J'ai fait quelques tests. Et Dieu merci, et vraiment, je savais qu'il est deux fois plus puissant que cette 400. Du coup, cette 400 là, il dit ok, après ceci, c'est bien, mais je ne vais pas l'acheter. Cette 400 là que vous voyez ici maintenant vient pour soutenir la 400 qui est ici là. C'est-à-dire que si cette 400 là a des problèmes, celle-ci va vraiment l'aider. C'est-à-dire que c'est comme si on disait, ce sont les deux mains qui se lavent. Soit les deux mains qui se lavent. Et cette carton qui est là, ça là, quand vous brochez le micro, cette carton là réduit carrément, c'est-à-dire cette carton active la fonctionnalité qui s'appelle la réduction du bruit. Mais en même temps qu'elle réduit le bruit, elle peut réduire un peu quelques parties de vos mots. C'est-à-dire, il y a un de vos mots qui peut. Vous dites A, vous dites AB. Il ne peut pas aller A, il va aller B. Souvent, ça peut être comme ça. Lui, il ne fait pas ça. Lui, il enregistre tout. Si, même si vous dites AB, et puis il y a O au milieu, lui, il enregistre tout. Il n'a pas de réduction de bruit. Lui, là. Donc, il fait. Donc, si je veux être comme ça, je peux prendre ça. Ça dépend de moi. Si je veux être comme réduction de bruit, j'utilise ça. Ou même si il n'y a pas de réduction de bruit, j'utilise ça. En tout cas, ça dépendra de ce que je veux, quoi. Donc, j'utilise finalement les deux. J'en ai acheté deux de chacun. Deux pour là-bas. Et puis deux autres pour l'autre ordinateur que vous voyez là-bas. Ouais, non. Ah, je dois vous montrer ça aussi. Hein. C'est la vie, hein. La vie quand même. Hein. Voilà, ça c'est un MacBook Pro. Où est ça? Un MacBook Pro M1 Pro. MacBook Pro M1 Pro. Tout ça pour faire les recherches pour vous. Hein. Faire les recherches, faire tout. Voilà, MacBook Pro M1 Pro. Donc là-bas, on a un PC Windows et un Mac. Ici, on a MacBook Pro. Avec une Bible à côté, s'il n'y a pas de Bible, il n'y prend pas. Ouais, ça. Voilà, ouais, ça. Ça nous aide déjà dans les recherches. Le portable comme ça de chez Apple. Une très bonne batterie. Oui. Très très bonne batterie. Donc tu as besoin de quelque chose qui a une très bonne batterie. Voilà. Moi je vous le recommande. C'est très cher. Mais bon. Au moins vous aurez au moins pour votre argent quoi. Ce que vous avez investi, vous allez avoir ça. Donc ces deux quatre sons là vont nous aider aussi dans ce sens. Et aussi à utiliser nos autres téléphones. On utilise leur caméra là pour faire des trucs, donc c'est extraordinaire. Maintenant, qu'en est-il de ça? Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai acheté. Comme vous pouvez le voir, ce carton se trouve juste là derrière moi. Il s'appelle comment? Regardez très bien de vous. Il s'appelle Sony WCH7. 120M, 35 heures de batterie en mode réduction de bruit. On nous dit un an de garantie. Vous voyez ça? J'espère que vous voyez bien maintenant. Celui-là, vraiment, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais quand vous avez ça et que vous configurez bien le coaliseur, vraiment, ça vous donne un son de qualité. Et là, même vous n'aimez pas envier même les casques qui coûtent des millions. Mais vous pouvez quand même essayer. Dans la vraie vie,
Il y a ça. Hein. C'est à cela qu'il ressemble. Pourquoi l'ai-je acheté? Je l'ai acheté pour pouvoir écouter le son que je produis, pour voir si c'est de meilleure qualité, et même pour tester les microphones, là, pour voir si le son est bon, quoi. Pour voir si le son est bon, quoi. Et derrière ça, bon, en fait, je l'ai acheté pour pouvoir m'introduire dans la gamme de microphones, un peu dans la gamme de casques de chez Sony. On dit que les Sony ont fabriqué des casques à réduction de bruit vraiment très, 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 très bon. Moi, j'ai acheté ça pour voir les tests, pour voir si c'est vrai. Et c'est vrai. Ils fabriquent quand même de bons casques à la gens de chez Sony. Là. Un bon casque accompagné par une très bonne application. Une application très intéressante. Très, très intéressante. Donc, si vous n'avez jamais essayé le casque de chez Sony, vous pouvez commencer par essayer ça. Il s'appelle WCH-720N. Ne vous trompez pas, hein. Parce qu'il y a plusieurs modèles. Il y a 710N. Et puis il y a 720. 720, là, c'est lui-là qu'il faut prendre. Si vous voulez, si vous voyez ça sur votre chemin que vous voulez, n'hésitez pas. Hein. WCH-720N. En tout cas, la couleur du casque est. C'est-à-dire la couleur du casque là. C'est ça que vous voyez ici là. Si ce que tu vois là, l'image là, si c'est bleu, c'est que la couleur, c'est que le casque est bleu. Hein. Si c'est noir, c'est que le casque est noir. Hein. Je vois pas où, quelque part où c'est écrit noir ou bien bleu ou bien orange. C'est quoi c'est. En tout cas, c'est comme ça, j'ai juste envie de casque. Moi, je pensais que c'était un casque noir. Alors que c'est un casque bleu. J'ai dit, mais bon, du coup, finalement, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est que c'est Dieu donné. C'est que c'est Dieu qui m'a donné. Vous voulez que je fasse quoi, les amis? Ouais, bah voilà. Il ne faut pas trop parler. Il ne faut pas trop se lamenter face à cette situation. On sait jamais. Peut-être que j'ai un plan derrière. Et voilà. Vraiment, voilà. Voilà. Il y a d'autres choses encore que je pourrais vous montrer. Hein. Il y a d'autres choses encore que je pourrais vraiment vous montrer. Comme... ça, c'est un autre microphone. Bon, moi, les amis, j'ai fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tout ce que vous avez à faire pour me soutenir, likez, commentez, partagez, regardez nos vidéos, encouragez-nous, soutenez-nous comme vous pouvez. Et puis, si vous voulez faire des dons. Il y a un lien PayPal qui se trouve dans la page d'accueil. Quand tu cliques sur notre bonne en-dessous de cette vidéo, tu vois sur la page d'accueil, bon, écrit, il y a un lien PayPal. Si tu connais PayPal, tu peux faire les dons. Ou bien, tu fais les dons directement en dessous de cette vidéo. Tu cliques, il y a une icône de dollar. On appelle ça Super Things ou YouTube Super Things. Une icône de dollar, tu cliques dessus. Tu choisis les options pour faire les dons. Tu peux faire plusieurs dons. Tout dépend de toi. En tout cas, si tu fais les dons, tu vas beaucoup nous soutenir, nous aider dans les équipements qui vont venir. Tout ça, c'est pour faire les vraies choses. Comme je vous l'ai dit, dans ce carton-là. Dans ce carton que vous voyez là, je trouve ça. Enfin, je trouve même ça. Voilà, ce microphone là, que je tiens même dans la main. Ce microphone que vous voyez ici là, c'est l'un des premiers que j'ai acheté. Oui, c'est l'un des premiers que j'ai acheté. Normalement, hein, c'est lui là hein, qui devait être ici. Oui, normalement. Mais le son est très faible. Quand vous voulez parler dans le microphone, vous êtes obligé d'approcher de votre bouche comme ça pour parler. Ah, poisson, t'es tout des poissons, qui es-tu? Ouais, non, vous êtes obligé de faire ça. Ah. Mais en quelle année vous avez fini de faire votre vidéo? En quelle année vous avez fini de parler aux gens? En quelle année vous avez fini de faire votre travail? À chaque fois, vous allez vous rapprocher comme ça. Qu'est-ce que je suis à? Mais ça, c'est pas bon. Alors que ça, même si je suis à distance ici, que je parle, on peut m'entendre. Même si je recule au fond de l'endroit et que le micro là-bas, on peut m'entendre. Vous n'imaginez pas ce que ça veut dire. Vous n'imaginez jamais ce que ça veut dire. Il y avait plusieurs semaines là, sans faire de vidéo parce que je ne pouvais pas faire deux choses à la fois, vous voyez, non. Je ne pouvais pas faire deux choses à la fois, en train de faire des vidéos, en train de courir, aller faire des achats, en train de courir, en train de faire des recherches. Vraiment, j'allais vraiment beaucoup m'épuiser. Vous allez voir que j'allais donner un squelette pour squelette. Un squelette danseur. C'est moi, épuisé. En
que les sorciers qui sont tous. Mais ça, même ça, c'est le micro que j'ai acheté. Comme vous pouvez le voir, ce micro-là, il est vraiment différent des autres micros que je vous ai montré. Ce micro que vous voyez là, ça là. Ça, c'est le BM800. Ce micro-là, lui, il vient avec son câble. Son câble est différent du câble qu'il a là. Vous voyez là. Lui-là, on l'appelle un microphone à condensateur, mais un microphone qui est à USB. Oui, non, un microphone USB. Vous le branchez ici et vous branchez cela directement sur votre ordinateur. Ça passe comme si c'était une clé USB que vous avez branchée. Tout s'installe tranquillement, automatiquement. C'est seulement celui-là qui a besoin d'une carte son. Une carte son comme ce que je viens de vous montrer pour que cela fonctionne encore plus correctement. Mais c'est juste un peu de vous dire que le premier micro que j'ai acheté, c'est ce micro que vous voyez là. Voilà, c'est ça. Le deuxième micro, c'est ça. Non, le deuxième micro, c'est un autre. Et puis après, c'est ça là. C'est ça là qui vient. Voilà. Le premier micro, c'est ça là. Ça doit être ça là. Ou bien, c'est sympa. Peut-être même que ça doit être ça là. Hein. Mais ça doit être ça là. Quelque chose comme ça. Mais ce que vous devez retenir, c'est que des choses ont changé. Vous risquez de voir Nyon se bon sur une autre dimension. Vraiment, beaucoup de choses vont venir sur la chaîne. Beaucoup de choses. Je ne sais pas comment je vais vous dire cela en bon français, mais il fallait quand même que je vous donne de mes nouvelles et que je vous dise ce que j'ai fait, ce qu'on a réalisé. Honnêtement, il fallait que je vous le dise. Puisque vous me suivez, vous me soutenez, vous êtes avec moi, qu'il pleuve ou qu'il neige. Vous êtes désormais de la famille. Du coup, on va faire les choses ensemble. On va aller ensemble. Merci pour vos soutiens. Merci pour vos j'aime. Merci pour vos partages. Merci à toutes les personnes qui seront avec nous jusqu'au bout. Nous sommes à plus de 50 000 abonnés. J'aimerais qu'on atteigne aussi les 100 000 abonnés. Et puis, qu'on monte au million d'abonnés, pourquoi pas. En tout cas, nous ferons de grandes choses. Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous soutienne. Maintenant, on aura besoin d'un cadre vraiment beaucoup plus grand pour réaliser beaucoup de plus de grandes choses. C'est-à-dire un espace, voilà. Un endroit beaucoup plus grand, beaucoup plus sophistiqué. En tout cas, c'est comme d'habitude, évoluer. Il faut toujours chercher à monter en grade, évoluer dans la vie, améliorer les choses. Voilà. Même ce que j'attrape pour faire la vidéo là, ce que j'attrape, hein. Attendez, je vais enlever. Le téléphone dessus. J'espère que ça passe pour rien. Ok. Ça là. Ça fait partie des choses que j'ai aussi acheté. Ça là. C'est une canne à selfie. Vous voyez que je ne peux pas vous parler beaucoup. Tout ça là, c'est menu pour faire le travail. Il y a même plus. Ce n'est pas le seul. Il y en a encore d'autres. Mais je vais vous montrer comment ça marche. Vous voyez ça là. C'est un petit bouton. Quand tu connais ça, pas beaucoup au téléphone. Quand tu appuies dessus, tu peux couper. Tu peux activer la caméra, ou bien prendre tes photos à descendre. Pac, photos de famille, photos de frères. Photos de frères pour le bateau. Et tu peux carrément le faire sortir comme ça. Tu le fais sortir comme ça. Il y a un fer à l'intérieur. On appelle ça une canne à selfie. Une canne à selfie. Regardez. Je vais essayer de l'ouvrir. Regardez. Regardez combien il est devenu. Hein? Un truc où il prenait pour faire la vidéo aussi. Regardez combien il est devenu. Oh, on est en moi, ça c'est quoi? Oh, ça c'est quel village? C'est quel sorcier? Vous voyez ça? En plus, ça, en bas, ici là. Vous pouvez carrément, comme ça, enlever comme ça. Et puis, il va devenir ce qu'on appelle un trépied. Un trépied que vous allez mettre maintenant sur la table. Oui, je vais changer la table. Regardez, posez cette argent comme ça quoi. Il est carrément positionné sur la table comme ça. Il a été là. Voilà. Et oui, voilà. Tenez là. Positionnez comme ça. Et vous mettez votre téléphone ici là. Et vous vous asseyez pour faire vos vidéos tranquille.
J'en ai acheté pour faire les vidéos où je suis assis comme ça et puis je vous parle. C'est un autre aussi. Surtout, bon, lui-là en particulier, je l'ai acheté juste parce que je veux faire les vidéos comme ce que je devais vous faire ici là. Parce que parfois, quand j'attaque cela avec ma main là, mes doigts me font mal. Ouais, non, mais je ne peux pas vous dire, mais ça me fait mal, je vais pleurer, mais je ne peux pas vous dire, je vais la vidéo. Tu fais la vidéo d'abord, tu ne peux pas pleurer. Ta mère ne veut pas, tu vas pleurer, t'as comme ça, il a quand même comme ça, ta mère te fait mal, tu vas pleurer, on dit à moi, oh les sorciers. Tu ne veux pas pleurer. C'est bizarre, hein. Mais bon, je suis là finalement, avec vous, pour vous, pour faire les grandes choses. Dieu m'a demandé de faire quelque chose et je l'ai fait. Tout ce que j'ai réalisé aussi, ce sont les choses que Dieu m'a demandé de faire. Voilà. Donc, voilà. Et puis, ah, quand même, plusieurs années ensemble, il fallait que j'améliore quand même certaines choses, qualité de son, tout. Vraiment, je suis très content pour ce que j'ai réalisé. J'ai investi énormément d'argent dans ça, mais Dieu est grand. Dieu m'a donné. Dieu, on m'a redonné. Vous voyez ça? Bon, ça la vie. Ça la vie. Que Dieu nous bénisse. Qu'il nous donne longue vie. Qu'il vous donne aussi très longue vie. Afin que nous puissions faire des grandes choses ensemble. Que Dieu vous bénisse vraiment beaucoup. Même l'ampoule, la lumière là. Il y a quelque chose de nouveau aussi qui est diable là, qui est diable prêt pour ça. En tout cas, vous allez voir quelque chose de très. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Ouais, déjà derrière non. Ouais, non. On dénonce le sujet. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, laissez un j'aime, commentez, partagez, abonnez-vous, c'est pas quoi faire pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Ici, si on se bonne, on fait des vidéos extraordinaires, les réactions, des choses extraordinaires, des trucs surnaturels, les témoignages des gens, les témoignages de tout le monde, moi, mon témoignage. En fait, tout est mélangé ici. C'est là, tu viens, tu prends pour toi. Tu prends ce que tu viens, tu manges, tu manges, ça va. Tu viens, tu manges, tu manges. Tu viens, tu manges. Et voilà. Bon, je pense que c'est fait. Maintenant. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et moi, j'aime beaucoup rire parce que pleurer, c'est pas une bonne affaire. Imaginez si je vous parle de pleurer. Bon, ça va. Bon, c'est bien. Je suis quand même content. Beaucoup de changements arrivent et vous allez vous-même constater cela d'une manière ou d'une autre. Oui, je suis obligé d'attaquer ma main comme ça. Tellement que là, ma main maintenant, je ne sais pas dire. C'est pourquoi j'ai acheté tous ces équipements aussi, ça va beaucoup m'aider. Vous comprenez qu'il y a la souffrance partout, hein. Mais Dieu est là pour vous aider. Soyez prêts, pas plus une vidéo. Sûr, non, c'est pas. Vous allez commencer à découvrir ce qu'on a fait. C'est pas encore fini, hein. Les choses vont commencer à s'améliorer au fur et à mesure. Ça va. On va aller d'amélioration en amélioration. On va monter en grade, en grade, en grade. On va aller dans haut, c'est moi. Parce que nous, la vie, c'est en haut. Yeah. Donc, on y va ensemble. Soutenez-moi et soyez prêts. C'est parti. Waouh, c'est extraordinaire. Merci les fois d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est gratuit. Et si vous voulez faire des dons pour me soutenir ou soutenir la chaîne Nuance Reborn, vous pouvez le faire via plusieurs manières, il y a plusieurs méthodes. Si l'icône de dollars apparaît juste en dessous de cette vidéo, cela signifie que vous pouvez cliquer dessus et faire les dons via Superfix. Suivez juste les instructions. Et si vous remarquez que ça n'apparaît pas chez vous, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement regarder en commentaire. Juste dans la partie commentaire, le commentaire est tout simplement épinglé. Donc, épinglé par Nuance Reborn. Vous allez voir un commentaire. Vous allez voir également mes informations bancaires ou un lien PayPal où vous pouvez tout simplement faire le don pour m'encourager. Merci à toutes les personnes qui vont y participer. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts.